qu'on avait vu briller ici dans les 1000 guinées. Voilà, le départ ne va plus tarder dans ce prix de Rome. 1600 mètres à parcourir. Et les voilà qui s'élance avec bien sûr le numéro 10, Karim Munda, qui a surgi de sa stalle et qui va tout de suite s'installer au commandement. Bon départ du favori de l'As Contras, qui est en troisième position, juste devant Vent du Large. Dans le wagon de la corde, on retrouve le 5 Amazing Fighter, qui a pris un bon départ, tout comme le numéro 6, Funky Footsteps. Quant à Karim Munda, elle n'attend personne, elle a déjà pris 3-4 longueurs d'avance. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée, toujours sous le commandement de Karim Munda, détaché de ses rivaux, emmené par Amazing Fighter Contrast, qui est là avec sa toque rouge à l'extérieur. Le numéro 1 côté corde, on va retrouver le numéro 6, Funky Fun Steps. On est là également avec Vent du Large, qui suit Contrast dans son progression. Holiday End, numéro 4, venant à l'extérieur. On est là également en bon à l'arrière-garde avec Dalam et Zambesi qui ont été pris de vitesse en partant. Karim Munda qui compte toujours 5-6 longueurs d'avance sur le reste du peloton, qui tarde à réagir. Le peloton qui est toujours emmené par le numéro 5, Amazing Fighter, devant Contrast, devant Vent de Large. Funky Footsteps est là, tout comme Holiday End et Tommy D qui s'est également bien rapproché, qui vient sur une 6e position. Concurrents qui vont sortir du tournoi final, toujours sous le commandement de Karim Munda, qui a un net avantage sur ses rivaux, emmené par Amazing Fighter, sollicité par Denis Schirgen. Contrast qui passe à l'offensive maintenant, essaye de venir également avec Tommy Lee. Les concurrents qui sont dans la ligne droite, Karim Munda qui dont l'avance a fondu comme neige au soleil, va-t-elle se faire rejoindre? Funky Footstep pointe ses naseaux, Tommy Lee est également là à l'extérieur. On est également en essai de nuit avec Lady End, avec Dalam qui surgit maintenant au centre, mais à l'extérieur c'est le numéro 7 Tommy D, mais c'est Funky Footsteps au centre qui s'impose devant Tommy D, et la troisième place certainement pour